Tu vois, ça c'est la qualité, ça c'est les groupes de Basse-Terre. Et oui, ETV en commune et à Basse-Terre aujourd'hui dans le local du groupe Volcan. On va vous faire visiter les backstage. Et oui, c'est comme ça que ça se passe, rien que pour vous, dans votre émission préférée ETV en commune. Are you ready? Let's go! Et nous sommes avec le président du groupe Volcan, l'homme Johan. Comment ça va? On est là, tranquille, hein, et toi? Écoute, on est tranquille puisqu'on est à Basse-Terre. On est à la maison, ça fait du bien. L'air frais, ça, c'est bon pour les poumons. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du groupe Volcan? Il a quel âge? Et dis-nous tout. En fait, l'année dernière, en 2019, Volcan a fêté ses 20 ans. Okay. Donc cette année, on est sur nos 21e année. Et en fait, Volcan, c'est quoi? C'est un groupe à synthé, en fait. Hein. Spécificité de la Basse-Terre. Un groupe à synthé, hein, vous voyez, clavier, basse, et toute la percue derrière, et les chanteurs et tout ça. Voilà, c'est ça, Volcan. Combien de temps il vous faut pour préparer les chars? Parce que pour les fans et les addicts même du carnaval parade Mardi Gras, on voit que vos costumes et vos chars sont vraiment magnifiques. Il vous faut combien de mois pour préparer tout ça? Alors, déjà dès que le carnaval se termine, on a les thèmes qui sont donnés par la Fédé. Donc on réfléchit pendant quelques mois à savoir qu'est-ce qu'on va faire. Parce qu'il faut faire quelque chose que les autres ne sont pas susceptibles de faire, tu vois. Et même s'ils sont susceptibles de faire mieux. Ouais. Donc on cherche des spécificités, des trucs qui nous ressemblent. Nous, on aime bien être vraiment dans... On n'est pas dans l'abstrait, on est vraiment dans le réel. Et je dirais que c'est ça qui nous a fait peut-être gagner en 2008. Hein. On avait fait la savane africaine avec des vrais éléphants que tu pourras voir tout à l'heure dans le local. On a gardé les vestiges de tout ça. Donc nous, on est vraiment dans le réel et on raconte toujours une histoire. Une histoire, soit un événement passé, soit un film, soit quelque chose de réel, quoi, ce qui se passe dans la vie. Et cette année, en fait, on a cravaché dur sur le Mardi Gras uniquement. Okay. On va être prendre cool le lundi, on est soft, tranquille, mais beau. Et mardi, on travaille sur quelque chose d'euphorique, puisque c'est ça le thème. On va travailler sur quelque chose d'euphorique, une euphorie que tout le monde a quand quelque chose se passe. D'accord. Mystère. Mystère, rendez-vous encore une fois sur ETV. Et oui, le live du Mardi Gras c'est en direct sur ETV en HD. Vous pouvez voir les costumes de Volcan, ça sera magnifique. Et justement, qui prend la décision finale? Est-ce que c'est toi le président ou est-ce que tu écoutes un petit peu tout le monde et puis c'est au vote? Ouais, c'est... Alors, non. Pas du tout. On n'est pas comme la Benin Monarchy, machin. C'est tout le monde ensemble. Hein. Okay. On travaille. Bon, après, j'y mets des idées. Chaque personne donne une idée. Et on se met ensemble à petit comité des fois pour pouvoir. Parce que quand on est trop nombreux, ça parle beaucoup. Ouais. Alors, on se met un petit comité, on travaille sur le thème. On travaille sur le costume. Après, on fait des essais, on fait des dessins, tout ça. Et on valide ensemble. Okay. Dès que c'est validé, on donne à la couturière pour faire le modèle. Et après, le décor, je m'en occupe, accompagner tous les garçons hein, pour qu'on puisse mettre ça. Parce que c'est une équipe, hein, c'est ouais. Pas une seule personne, c'est une équipe de personnes. D'accord. Et on bosse ensemble. Il vous faut combien de temps aussi pour répéter les morceaux? Parce que vous êtes vraiment à l'unisson, c'est professionnel, c'est propre, il n'y a pas une note qui dépasse. Alors, combien de temps de répétition par jour, par semaine? Dis-nous tout. Alors, avant, on répétait beaucoup. Mais il y avait une petite blague. Peut-être que nous trop forts, peut-être, je ne sais pas. Non, je rigole. On répète de moins en moins, puisqu'on est déjà habitué. La partie qui s'entraîne, c'est la partie rythmique que tu okay. vas pouvoir voir tout à l'heure, hein, qui travaille sur des morceaux, sur des créations, ouais. sur des nouveaux morceaux. On garde toujours les anciens et on reprend des morceaux de cette année qu'on va ajouter à ce qu'on a, quoi. Ça peut durer, ils travaillent deux fois par semaine, des fois en moyenne pendant 2 mois avant le carnaval. Et pendant le carnaval, c'est aussi 2 fois par semaine, on bosse. Que représente le carnaval pour toi? Au début, c'était comme ça. Et après, c'est devenu une passion et ça devient une nécessité. Ok, nécessité, excellent. On vous rappelle qu'on est là ici même à Basse-Terre, dans le local du groupe Volcan, en mode très backstage là aujourd'hui. On va faire le tour, suivez-nous. Alors, là on est où là? Ça nous rappelle quelque chose là? Ouais, ça c'est Mardi Gras 2019. Okay. Mardi Gras 2019, on était sur le Yin et le Yang, double face hein, en fait. Hein, on cherchait à montrer les deux faces de la vie. Ouais. Il y a le bon, il y a le mauvais. Exactement. Et nous, même si on avait les deux bonnes filles des deux côtés, mais voilà, c'était l'idée de montrer que dans la vie, il y a le bon, il y a le mauvais, qu'il faut prendre toujours le bon. Et là encore une fois, combien de temps pour préparer tout ça? Alors, il y a plusieurs phases. Il hein. y a une phase de, comme je disais tout à l'heure, de réflexion. Il ouais. y a une phase de réalisation structurelle. Ouais. De la ferraille. Parce que quand tu vois ça là, derrière, il n'y a que de la ferraille. C'est ça. Donc, il y a beaucoup de soudures, il faut modeler, plier les fers et tout. Et ça prend quand même un mois et demi.
Et ensuite, pour l'habillage, allez, un bon mois et demi encore. Ok. Voilà. Mais c'est vrai qu'on y arrive des fois, à un mois, qu'on est speed, parce qu'on est toujours en retard. On dort pas. C'est ça qui met la pression aussi, le retard. Oui, voilà. Oui, voilà. Et finalement, on y arrive. Eh ben exactement. On y arrive. Et donc voilà, ça c'est... Okay. Voilà, il y a du travail, il y a du boulot. Et des matériaux, c'est assez léger. Et oui, et là on est passé à l'étage. Je vous ai dit, aujourd'hui, on est vraiment en mode backstage. On est à l'atelier couture. Alors dis-nous un petit peu, c'est là que vous confectionnez tous vos costumes? Non, pas tous les costumes, une partie, les costumes les plus simples. Okay. Les plus simples, on a fait des costumes complexes quand même, mais cette année, on a prévu des couturières extérieures qui vont travailler sur les costumes des jours gras. Okay. Et nous, on travaille sur les costumes des dimanches. D'accord. Voilà, donc cette année, on est parti sur le madras. Hein. On a travaillé un vêtement madras et là, tu as le chapeau de l'année dernière, du d'accord. Lundi gras. Là aussi, c'est celui de l'année dernière. Ça, l'année dernière, ça c'était pour les dimanches. Il y a deux ans, ça. Il y a okay. Deux ans et... Donc en fait, ça m'était comme ça. Yes. Voilà, sur la tête et voilà. Donc ça, c'est des vestiges que nous avons. Hein. Il faut encadrer tout ça. Oui, oui, t'as bien vu, hein, tout est bien posé. Bien installé, bien posé, regarde ça, voilà. Ouais, tout est joli. Et, et aujourd'hui, là, ben, elle travaille sur un chapeau madras pour cette année. Ok. Qu'on a déjà sorti à Sainte-Rose et qu'on va sortir trois autres fois, mais on est en train de l'améliorer. Ah ben, on va prendre une petite impression. Est-ce que c'est pas trop fatigant, justement, à l'arrivée du carnaval? Non, pas du tout. Ben, il faut. C'est l'amour du carnaval? Ben oui, effectivement. Eh oui, c'est l'amour, c'est ça, Volcan. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de sommeil, on ne compte pas les heures de sommeil, n'est-ce pas? Ah non, on ne compte pas. À chaque fois, on dit pas, plus jamais. Mais finalement, nous là. Nous là. La vérité, c'est ça le carnaval. Eh oui, on continue encore une fois. On va voir les musiciens peut-être. Oui, oui. C'est ça, les musiciens, synthé, bien, mais. Parle-nous un petit peu de ça. On est en mode répétition là. Oui, en mode répétition. Ils vont travailler sur des morceaux, des nouveaux morceaux. Donc tu as Jean-Pierre qui fait la basse cette année. Et tu as T-Claude, tout le monde le connaît. Hein. Hey, T-Claude, viens nous parler un petit peu. Alors, qu'est-ce que tu peux dire au public sur le groupe Volcan? Ben, c'est un groupe que ça fait très longtemps que je suis dedans. Et à la base, j'étais à la basse avant. Okay. Je faisais la basse. Et après, je me suis retrouvé au clavier. Et du coup, ça se passe bien. C'est la base, hein, le clavier quand même. Hein. C'est la base. C'est ça qui met l'ambiance en gros. Voilà, voilà, j'ai toujours dit que Volcan. C'est les deux bases, c'est la base sur le clavier. Le synthé, quand on entend le synthé, c'est la base de Volcan sur le synthé. Combien de temps de répétition là? Il te faut à peu près pour maîtriser tout le répertoire de Volcan pour le carnaval par exemple 2020? En fait, normalement c'est... On répète tous les mercredis. Ouais. Et après on fait les répétitions le vendredi général. Avant tout on fait les répétitions rythmiques pour mettre tout en place. Comme par exemple on peut faire s'il y a des nouveaux morceaux à préparer. Et après le vendredi, on met tout en place avec tout le groupe. C'est et, voilà. Et après, comme on dit, nous restons péter sec, quoi. Nous restons péter sec. Oh la basse, le cœur de la chose. Certains disent que la basse, c'est le cœur, c'est l'essentiel, ce sont les poumons. Est-ce que c'est vrai? Mais bien sûr. sans la basse, comme on n'a pas de base. Ah ok. Vous avez déjà votre répertoire là pour 2020? Oui. C'est-à-dire que c'est à peu près toujours le même répertoire, mais on rajoute, on retire des morceaux, on modifie un peu. Comment vous faites pour tenir? Parce que Basse-Terre, c'est vraiment une ville où il y a des mornes. Vous montez, vous descendez, vous montez, vous faites tout le tour. Comment est-ce qu'on fait pour tenir quand on est musicien? Eh bien, alors là... Il n'y a pas de réponse, c'est que ça vient du cœur en fait. C'est que c'est là, c'est la base, c'est le cœur, c'est ça? Oui. Alors de toute manière, il faut savoir que... On est sportif dans l'âme. Hein. Donc, pour tenir, on a le plus souvent les instruments. Il y a ceux qui ont les costumes sur eux, tout ça. Monter, descendre, bon, on est sportif en soi. Ben oui. C'est sûr que pas toute l'année. Mais le carnaval. Mais pendant le carnaval, oui. Il y a ceux qui perdent beaucoup. Tu vois, comme quoi, le carnaval, c'est un bon petit régime. On vous laisse répéter, les gars. Rendez-vous Mardi Gras. On vous rappelle que le Mardi Gras, ça se passe sur ETV en HD. Eh oui! ETV en commune, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous étions à Basse-Terre dans le local du groupe Volcan. Je vous rappelle que si vous aussi vous voulez nous faire découvrir quelque chose d'insolite dans votre commune, n'hésitez pas à nous appeler. Oui, la rédaction d'ETV en commune vous répond et on se déplace avec notre caméra. Moi, je vous donne rendez-vous bien entendu demain sur une seule chaîne ETV. Ciao!
Thank you.